Si les festivaliers doivent faire de longues queues pour les séances de dédicaces et de projections, ils devaient également s'y prendre à l'avance pour trouver un hébergement. Juillet-août, parce que je sais que c'est assez nécessaire pour être bien situé dans le festival. On a pas mal galéré, mais on a fini par trouver un logement et on s'y est pris beaucoup de temps à l'avance, parce que c'est pris d'assaut pour le festival. Mais même comme ça, certains ont dû trouver un plan de secours. En fait, je m'y suis prise à peu près en janvier et tout a été très bien jusqu'à ce que la dame se désiste en fait un mois avant. Donc là, ça a été un peu la galère et un peu la course. Surtout que quand j'ai regardé en janvier, c'était à peu près 30€ la nuit et quand j'ai regardé un mois avant, c'était passé entre 60 et 70€ la nuit. Par précaution, les habitués réservent les mêmes chambres d'année en année, comme dans cet hôtel du centre-ville. En fait, on est complet pratiquement depuis l'année dernière parce que d'une année sur l'autre, on travaille avec les mêmes clients. La situation est particulièrement difficile pour les 450 bénévoles qui n'ont ni les ressources financières des professionnels, ni le soutien logistique dont bénéficient les étudiants des grandes écoles. Cette auberge de jeunesse sur la route du Semnoz n'a pas pu donner suite à la longue liste d'attente. Toutes les écoles ont pris pratiquement toutes les places les bénévoles, hélas, on avait très peu de place pour eux. La permanence de l'office de tourisme vient en aide des derniers arrivants, mais constate que la croissance du marché hôtelier ne suit pas celle du festival. La capacité hôtelière à Annecy n'évolue pas tant au fur et à mesure des années, donc c'est là le problème. Face à cette urgence, la mairie et le festival ont conclu un accord avec la plateforme Oh My Stay, qui place les bénévoles dans des chambres d'hôtes en dernière minute. Et évidemment, on pense les années suivantes enrichir l'offre, avoir aussi plus d'hébergeurs et satisfaire de plus en plus de bénévoles. Encore éphémère, cette solution économique et conviviale pourrait ainsi se pérenniser dans les éditions à venir, comme cela a déjà été le cas pour le Festival du film de La Rochelle.